L'outil Palm Masque Tuba permet de faire des observations depuis la surface et donc de réaliser des suivis cartographiques. De façon à pouvoir caractériser des éléments à un moment donné et dans un temps donné. Donc, à l'aide d'un GPS, on va pouvoir cartographier des éléments ponctuels tels que des macrodéchets, des espèces invasives, des espèces emblématiques telles que les grands nacres, ou alors cartographier des grands ensembles tels que des habitats comme l'herbier de Posidonie ou l'herbier de Zoster. Donc la Posidonie est une espèce emblématique de la Méditerranée qui est reconnue d'intérêt prioritaire par la communauté européenne et qui est protégée dans de nombreux pays. C'est un écosystème pivot qui sert d'atténuateur de houle, de poumon pour la Méditerranée, mais aussi de zone de nursery particulièrement pour les poissons. C'est une espèce qui est sensible et qui régresse de façon assez importante, souvent due à l'urbanisation du littoral ou à la pression de l'ancrage. Et l'outil PMT permettra de faire des observations depuis la surface pour suivre l'évolution de la limite supérieure de l'herbier. Savoir si cette limite est stable dans le temps, si elle progresse ou si elle régresse. Donc, grâce aux images aériennes, on peut maintenant identifier la présence ou non d'herbier de Posidonie. Toutefois, on pourra le confondre dans certains cas avec de la roche infralittorale. Donc il sera important d'aller vérifier sur le terrain si les éléments que l'on a pu distinguer sur notre photographie aérienne, si ce sont les bons ou si on a fait une mauvaise interprétation. On va pouvoir en PMT réaliser cela particulièrement sur des fonds entre 0 et 5 mètres de profondeur. On pourra aller jusqu'à une quinzaine de mètres de profondeur si la clarté de l'eau, la transparence de l'eau le permet. Alors avant de se mettre à l'eau, on va choisir une météo favorable, donc un plan d'eau stable. Donc l'idéal étant de ne pas avoir de vent, de ne pas avoir de houle. Alors le matériel qui va être nécessaire pour ces prospections est relativement simple. On va utiliser un radeau sur lequel on va pouvoir poser un bidon étanche. Dans ce bidon étanche, on va placer un GPS qui nous permet d'avoir la localisation de notre tracé. Et on utilisera enfin une plaque immergeable pour noter des observations. On va paramétrer le GPS en mode trace. Ce qui nous permettra d'avoir des points d'acquisition réguliers. Et on le réglera de façon à acquérir un point toutes les secondes si possible, si la mémoire interne du GPS le permet. On va paramétrer le GPS au dernier moment de façon à avoir une trace qui soit la plus propre possible. Et dès qu'on aura paramétré le GPS, on va le placer à l'intérieur du bidon étanche. Le plongeur se placera à l'aplomb de l'herbier et suivra les contours de l'herbier en poussant le radeau devant lui. Et on va essayer d'avancer de manière la plus régulière possible, de façon de bien aller dans les circonvolutions, l'intérieur suivre la limite de l'herbier. Donc c'est un suivi qui peut se réaliser avec une seule personne. On peut passer le temps qu'on veut dans l'eau. L'idée, c'est d'avoir à proximité un bateau de sécurité et on va pouvoir se relayer aussi en cas de fatigue. Alors dès qu'on aura fini l'acquisition faite sur le terrain, on va pouvoir récupérer le fichier qui a été enregistré sur le GPS. Et l'ouvrir via le logiciel Google Earth. C'est un fichier KML/KMZ qui va venir se superposer à la photographie aérienne en fait. Donc ainsi on aura la limite supérieure de façon précise sur un fond cartographique. Et donc ça va pouvoir nous servir à la gestion du site. Comme organiser les mouillages des bateaux de plaisance ou organiser les mouillages des bateaux de plongée pour pouvoir notamment préserver cet habitat sensible. La reprenant, Pulledge. Ouais, j'ai essayé de faire court.
La piste 5, 5, 5. Pareil clair, pareil clair.